Hé là, salut les amis, comment ça va? J'espère que tout va bien. Je viens de baguer les petits. Vous voyez ici, je vous montre. Petite bague. Il y a plein de vidéos pour vous montrer comment faire pour cacher les bagues, tout ça. Mais, en fait, j'ai eu une grande difficulté à baguer, lui, c'est un petit peu plus grand des autres parce que peut-être il est dominant, il ouvre la bouche plus que les autres et tout ça. Ils sont nés tous ensemble normalement, ou bien il est né avant, ça je sais pas. Vous voyez la patte, ça c'est une bague 2,5. On va essayer ensemble, je suis sûr que ça va pas aller. Vous voyez les gars, vous l'arrêtez comme ça. Il y a aussi une vidéo de comment baguer les petits. Voilà, il est rentré ici. Mais vous voyez, ça va être très difficile. On va essayer de mettre un petit goût de l'huile. Voilà, ici. Maintenant, on sort la bague doucement comme ça. On tourne, on fait rentrer l'huile encore une fois. Un goût de l'huile doit être bien lubrifié. Voilà, ici on va le remettre dedans comme ça. Maintenant, on va essayer doucement. Mais si ça va pas aller, il faut arrêter les gars parce que vous avez le risque ou de casser la pâte, ça c'est un très grand dommage. Ici il est rentré, rentré doucement. C'est tous live les gars. Je l'ai essayé avec vous en fait. Je suis très très content parce qu'elle est bien rentrée. Voilà. Bien sûr un petit peu rouge, mais rien de grave, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui? S'il est beaucoup serré, on doit utiliser 2-3 gouttes de l'huile, ok. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Comme je viens de dire, il y a plein de vidéos que vous pouvez voir. Et en fait, ils vont vous aider à cacher les bagues et tout ça. Je trouve que c'est des vidéos très très intéressantes. Allez, merci les gars. On se voit à la prochaine. Ciao, belle. Les gars, j'ai oublié de vous dire une chose très très importante. Comme vous avez vu, j'avais pas de gants parce que j'ai désinfecté mes mains très 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 bien. Je vous l'ai dit 3 fois parce que c'est une chose très importante. Ou bien vous pouvez utiliser simplement des gants, ok? Maintenant, je vous laisse avec cette petite vidéo avec le parva qu'il se douche et quelques jeunes de l'année. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Nous, on se voit à la prochaine. Ciao, belle.